Bonjour tout le monde, donc aujourd'hui on se retrouve avec un look un peu spécial comme vous pouvez voir pour la simple et bonne raison que cette année pour Halloween je vais être en Neville Queen. Donc j'avais déjà commencé le costume il y a de ça presque un an, donc pour celles qui me connaissent, pour la Fairy Tales 2. Donc le costume était prêt, mais bon, je dirais qu'il y avait quelques petites finitions à faire, notamment au niveau de la perruque, puisque je n'avais pas de perruque pour la Fairy Tales 2. Cette année, j'investis dans la perruque. Je dois dire que j'ai bien galéré pour la faire, donc ce qui fait qu'elle n'est pas tout à fait parfaite, étant donné qu'une perruque avec une coiffe de ce style là au-dessus, c'était pas du tout trouvable en magasin, donc j'ai dû faire avec une perruque de cheveux longs. Là, comme vous voyez, ça baille un peu, mais parce qu'il faut que je passe acheter d'autres bobby pins pour fixer après à mes propres cheveux. Donc j'ai dû faire avec après des extensions à clip, faire la coiffe de moi-même, ceci aussi. En dessous, c'est un boudin de chignon, enfin vous savez les donuts qu'on met pour les chignons. C'est pas mal, enfin franchement le rendu est pas mal. Après bon, il y a quelques finitions à faire, pour la recoiffer et tout, mais pour la perruque je suis plutôt satisfaite. Et donc je me suis dit, à quelques jours d'Halloween, il va falloir aussi que je teste le maquillage, parce que ça je ne l'avais pas encore testé. J'en avais fait un pour la Fairy Tales 2 pareil, mais c'était pas du tout le même style. Je m'étais pas, enfin j'avais pas réussi aussi bien que là, je dirais. Là on peut dire je suis vraiment relativement satisfaite, à part peut-être les sourcils que j'avais voulu commencer, vous verrez dans le tuto, j'ai commencé à faire en marron foncé. Et au final j'ai remis après à la fin du fard noir pour foncer un peu tout. Je pense que pour Aline je passerai directement au fard noir, comme ça j'aurai vraiment les sourcils qu'il faut. Donc si ça vous intéresse, je vous dis, regardez le tuto qui suit. Donc je commence par appliquer du scotch, là j'en avais pas sous la main, donc du coup j'ai utilisé du sparadrap que j'ai collé de nombreuses fois sur ma main avant de la placer. Donc pour faire vraiment l'effet œil de chat de Evil Queen. Ensuite j'ai pris mon paint pot de Painterly de chez MAC, que j'ai utilisé donc en base sur toute la paupière mobile et immobile, jusque vraiment sous le sourcil, et je l'ai tiré sur le côté pour que vraiment les fards accrochent bien et restent en place surtout. Ensuite donc, j'ai pris un gros pinceau comme vous pouvez le voir, et j'ai pris donc, dans la palette Too Faced donc, le White Chocolate, qui est un fard en fait blanc, mais qui n'est pas trop voyant non plus en fait. Donc à la limite, si vous n'en avez pas, prenez votre poudre pour le teint, votre poudre matifiante à la limite, ça peut le faire aussi, parce que c'est juste en fait pour avoir une base uniforme sur tout l'œil avant de passer au reste. Ensuite donc j'ai pris un fard blanc de chez Kiko, je vous mettrai les numéros en barre d'infos pour les fards de chez Kiko, vous en faites pas. Et je suis venue donc le placer au niveau du coin interne de ma paupière, et ensuite je l'ai étiré un tout petit peu sur la paupière mobile, mais je l'ai surtout étiré vers la pointe du sourcil. Donc en passant vraiment au-dessus du creux pour avoir la couleur qu'il fallait. Ensuite je me suis rendu compte qu'il aurait fallu que je commence déjà par les sourcils. Et comme vous allez voir dans la vidéo plus loin, j'ai changé de couleur. Donc pour les sourcils, passez directement à un fard noir. Parce que vous vous rendrez compte qu'au final ça fait pas suffisamment foncé pour le maquillage qu'on est en train de faire. Donc moi j'ai fait les sourcils à peu près de la même façon. Ensuite un fard noir avec un pinceau boule, enfin un pinceau crayon, enfin moi j'appelle ça les pinceaux boule en fait, parce que ça fait vraiment une forme de ronde au bout. Et je suis venue le placer en V externe et dans le creux.
Donc il ne faut pas hésiter à vraiment bien repasser, parce que c'est vraiment un maquillage au niveau des yeux qui est très foncé. Donc faut pas hésiter du tout à en remettre. De toute façon, ça, vous le verrez bien en l'appliquant, la manière que ça fait, vous vous rendrez compte aussitôt. Ensuite, bah, bien sûr, j'ai fait les deux yeux, mais comme vous voyez, sur un, je vous ai fait en accéléré, parce que sinon la vidéo durerait beaucoup trop longtemps. Ensuite, j'ai pris un gris un peu plus clair. De toute façon, les numéros, je vous les mettrai dans la barre d'infos, et je vous indiquerai vraiment le moment où je les ai appliqués, ou même à la limite à quel endroit. Et là, je viens en fait compléter le creux avec. Ensuite, j'ai pris mon pinceau estompeur, pardon, et j'ai estompé les bords très délicatement pour vraiment pas que ça aille plus loin, et j'ai étiré vers le haut du sparadrap, donc pour accentuer l'effet œil de chat. Ensuite, donc, je reprends mon fard blanc avec un pinceau plat et je viens le remettre sous le sourcil, donc de la tête du sourcil jusqu'au bout, pour vraiment avoir l'effet souhaité. Ensuite, le fard noir à nouveau avec le pinceau plat que j'ai utilisé à l'instant pour le blanc, et là je viens l'appliquer sur toute la paupière mobile en laissant juste un tout petit espace en coin interne pour pas que ça soit non plus vraiment foncé jusque dans le coin de l'œil et que ça m'alourdisse vraiment les yeux. Ensuite, j'estompe à nouveau le tout pour flouter les démarcations. Je prends un gris beaucoup plus clair pour le coup, que je vais venir pour celui-là placer en coin interne pour apporter quand même une touche de lumière, et je viens l'étirer un tout petit peu sur le noir pour l'aider à se fondre au reste du maquillage. Donc voilà, je l'étire sur le noir à nouveau pour fondre et avoir le rendu souhaité. Ensuite, je prends un gris un peu plus foncé. Et celui-là, je vais l'appliquer au centre de mon œil pour avoir un effet un peu un peu plus clair, un petit peu plus lumineux à cet endroit-là, et j'estompe sur les côtés avec le même pinceau. C'est juste pour un effet flouté, c'est vraiment pas pour l'estomper ou le mélanger complètement. Ensuite, donc, j'ai pris mon eyeliner qui vient de chez Bourjois, et je l'ai appliqué en faisant une virgule. Je vous ai pas filmé vraiment la vidéo, parce que moi et l'eyeliner, c'est pas vraiment ça. Ensuite, j'ai pris les cotons qui se coupent. Donc avant, j'ai retiré le sparadrap le plus délicatement possible. J'ai pris donc les cotons qui coton-tige avec du produit pour estomper vraiment sur les côtés. Et ensuite, j'ai pris mon eau micellaire sur un coton plat pour retirer vraiment les restes de chute de fard. Donc là, on passe au teint. Je prends mon anti-cerne de chez Kiko avec le pinceau Wheel Technique, et je viens donc le mettre au niveau, bien sûr, de mes cernes, mais aussi des quelques imperfections que je peux avoir en ce moment. Voilà, donc des petites rougeurs pour vraiment permettre au fond de teint de
d'avoir, enfin, de donner le rendu voulu après. Donc le fond de teint, c'est le Bondi Sway de chez Too Faced, que je viens donc appliquer avec un pinceau avec le pinceau Coastal Sand. Je vous mettrai la référence Sigma, pardon. Je vous mettrai la référence en barre d'infos parce que j'ai plus le numéro. Et ensuite, j'estompe avec un autre pinceau, donc un pinceau duo fibre cette fois. C'est vraiment ce pinceau-là, j'ai vraiment utilisé pour avoir un rendu beaucoup plus naturel. Ensuite, ma poudre de chez Kiko avec un gros pinceau d'une des collections d'Elsa Makeup. Et je viens donc le poser sur tout mon visage afin de matifier le tout. Je le descends dans mon cou, pareil, pour matifier aussi et faire tenir le fond de teint que j'ai pu descendre dans mon cou. Ensuite, donc, comme je suis en train de l'indiquer par écrit, j'ai oublié d'appliquer donc, les fards en ratcil, donc vous ne l'oubliez surtout pas. Ensuite, on passe donc au bronzer. J'ai pris mon bronzer en pinceau de chez Kiko et j'ai pris le pinceau contour de chez Yves Rocher, qui pour le coup marche très bien avec ce style de bronzer. Ça permet vraiment de bien l'estomper tout en restant aux endroits souhaités. Donc je vous le recommande aussi, le pinceau. Donc je fais le contour de, donc le creux de joue. Ensuite j'estompe quand même le produit parce que sinon ça fait vraiment bizarre. Et je vais venir donc faire un léger contour de mon nez afin de l'affiner, parce que j'ai pas du tout le même nez que l'actrice qui joue Evil Queen, donc Lana Parilla. Pareil, j'estompe un peu. Ensuite, on va passer, donc je prends le fard noir, donc comme je l'ai dit, voilà. Donc je refais mes sourcils avec le fard noir par-dessus. Donc pour Halloween, je passerai directement au fard noir. Donc je ne vais pas passer cette étape-là. Et je viens fixer le tout avec mon gel à sourcils de chez Kiko, donc afin de faire tenir le fard beaucoup plus longtemps et de coiffer un peu les sourcils, on va dire. Ensuite, je passe à l'highlighter. Donc j'ai pris mon crayon duo de chez Kiko et j'ai pris le côté vraiment irisé que je viens placer juste au niveau de mes pommettes et que j'estompe au doigt. Ensuite, je vais en mettre un petit peu sous le sourcil pour apporter à nouveau une touche de lumière supplémentaire sur l'arête de mon nez. Et ensuite, je vais passer donc aux lèvres, donc avec un crayon. J'ai pris le crayon le plus foncé que j'avais, celui-là il vient de chez Essence, pour faire le contour de mes lèvres et remplir après l'intérieur. Donc c'est une étape où il faut vraiment prendre son temps, parce que sinon on a tendance à déborder et honnêtement ça fait vraiment pas joli. Et vu que les couleurs qu'on va appliquer derrière sont très foncées, il faut vraiment que vous preniez votre temps pour poser votre crayon et votre rouge à lèvres. Donc là, j'ai pris un rouge à lèvres de chez Kiko qui se présente en... Donc c'est les longues tenues donc qui se présentent en deux étapes. Une partie rouge à lèvres en forme de gloss et l'autre partie gel transparent qu'on pose par-dessus. Moi, je ne l'ai pas mis. Parce que pour la simple et bonne raison, je me suis démaquillée après la vidéo. Et par-dessus ce rouge à lèvres-là, je vais remettre un autre rouge à lèvres dans une teinte un tout petit peu plus... un peu plus, comment dire, violet foncé. Enfin, rouge, pardon. J'ai confondu. Je me suis mélangé les pinceaux. donc un peu plus rouge sang, donc il vient de chez NYX et pour le coup le nom de la couleur est sympa étant donné que c'est Snow White. Bon, c'est un léger clin d'œil, on va dire. Donc voilà, je l'applique au raisin en tapotant pour vraiment dépasser le moins possible
et ça aurait été après cette étape là que j'aurais mis le gloss transparent. Ensuite, donc, vous voyez, avec la perruque, pour la simple et bonne raison que j'avais aussi oublié de mettre du mascara, je m'en suis rendu compte à la fin de la vidéo. Et donc voilà, le look final, donc j'ai enfilé la perruque, comme dit dans l'intro, enfin voilà, il y a quelques petites choses à modifier, mais bon voilà. Donc la perruque, je ne pourrais pas vous mettre en barre d'infos où elle est, comme j'ai expliqué, je l'ai achetée, je l'ai faite. Et donc il faut juste que je trouve un point de, je sais pas, un système pour que la pointe reste plaquée sur mon front et pas qu'elle rebique comme ça là. Je pense peut-être avec un tout petit point de colle à fossiles. Halloween, je vais avoir des fossiles, mais bon, j'ai pas trop envie en fait de les utiliser, étant donné que je n'ai que la colle qui est fournie avec. J'ai peur qu'en presque 15 jours elle soit bien sèche et du coup pour le soir d'Halloween je ne puisse pas m'en servir. Donc pour celles que ça intéresserait de voir le look complet, je vais mettre quelques photos donc prises lors de la Fairy Tales 2 sur mon blog, je vous mettrai le lien dans la barre d'infos. Et pareil, après passer le soir d'Halloween, je vous mettrai les photos du photoshoot qu'on va faire avec les copines, donc qui seront en plus elles aussi habillées façon Once Upon a Time. Donc on va vraiment passer un très très bon moment. Et donc je mettrai vraiment tous les détails de la tenue et tout ça dans le post que je vais justement créer pour ce look là. Je vous le réindiquerai au niveau de la barre d'infos. Donc je vous fais à tous des très gros bisous. Pour celles qui vont fêter, qui vont fêter Halloween, amusez-vous bien, profitez-en. Franchement, ça arrive qu'une fois dans l'année, ce genre de fête où on peut vraiment être à l'opposé complet de ce que l'on est. Parce que clairement, dans la vie, je ne suis pas Evil Queen, sauf peut-être certains de mes élèves qui auraient tendance à le dire parce que je suis très sévère quand il le faut. Mais sinon je suis pas aussi mauvaise qu'elle, mais le soir d'Halloween tout est permis, donc profitez-en. Je vous fais à tous des très gros bisous, je vous dis à très bientôt.